Alors, je dois répondre à la difficile question du pourcentage d'idées qui aboutissent. Chez nous, chez Cross Agency, agence web en Suisse romande. Donc c'est vrai que les idées, c'est quelque chose qui est assez nouveau finalement pour nous. C'est pas dire qu'on n'avait pas d'idées avant, mais on n'avait pas forcément les gens qui avaient les bonnes idées. Donc on a réussi déjà à construire une équipe de créatifs qui il est là. il n'est pas un créatif de chez nous, mais il l'est aussi. Donc déjà avoir l'idée d'avoir les gens qui vous apportent les idées, ça c'est un peu la base. Parce que quand on n'a pas d'idée, il y a 0% qui arrive au bout. Donc déjà on a passé cette étape là. Et donc là j'ai deux iPhones derrière là, qui filment en essayant de me concentrer. Après, c'est vrai que encore ce matin, tiens, justement, on était chez un horloger avec plein d'idées. Et des idées qui étaient vraiment géniales, qui correspondaient exactement au brief. Les gens étaient assez emballés, mais derrière, il faut toujours monter d'un niveau pour valider. Et plus on monte de niveau, plus le pourcentage de validation d'idées, il descend. Donc, comment faire pour maximiser ce pourcentage ? Réunir déjà, je pense déjà, le plus tôt possible autour de la table toutes les personnes qui vont devoir valider ces idées, lancer la machine et puis après convaincre avec du discours, avec un maximum de visuels, de choses, des images, la vidéo, le plus on peut montrer, parce que du texte ou du discours c'est bien. Mais toutes des petites choses qui matérialisent. Et je pense qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, le fait de rassembler autour de la table les gens qui valident le plus tôt possible, ça nous permet d'améliorer ce processus. Voilà pour un petit feedback à chaud de Cross Agency. Pour donner un chiffre. Ouf. Ça, il faut hasard. Donner le chiffre. Il faut le donner, le chiffre. Au hasard. Bon, il faut pas. Je dirais malheureusement encore en dessous de 20%, mais une quinzaine de pourcents. Je pense que c'est un chiffre actuel. Mais l'objectif c'est de viser juste, au plus juste, par la suite. Donc on va essayer de s'appliquer à nous-mêmes les bonnes méthodes pour augmenter ces pourcentages. Et si un jour il y a quelqu'un qui vous dit 100%, j'irai voir sur votre blog, c'est ça, pour voir toutes les autres interviews. Et je suis intéressé par avoir des conseils aussi. C'est pas facile de gérer les idées. C'est des choses un peu nouvelles pour nous. Et en tout cas, on est assez excités par ça. Et objectif, monter le pourcentage.